dass ich ein Kranz, genau. Dass ich ein Huber, ein Fang damit. Ein Hahn, ja. Das ist Walter Fischer ne trouve plus le mot peigne, un objet de la vie quotidienne pourtant. Il y a une année et demie, cela n'aurait pas posé de problème, jusqu'au jour où il a été victime d'une attaque cérébrale. D'un jour à l'autre, il a eu de la peine à parler, ne comprenait plus et ne pouvait plus ni lire ni écrire. L'attaque cérébrale a provoqué des troubles du langage, il est atteint d'aphasie. La connaissance et la mémoire sont intactes, mais le problème c'est justement le « comment dit-on ». Cela arrive à des gens en parfaite santé, par exemple quand on ne trouve plus le nom d'une personne. Mais chez un patient atteint d'aphasie, cela arrive beaucoup plus fréquemment et pour des mots simples de la vie quotidienne. Un mot arrive parfois de manière spontanée et certaines fois, il est bloqué. Monika Koenig est logopédiste au centre hospitalier de Bienne. Depuis une année et demie, Walter Fischer vient jusqu'à 3 fois par semaine pour suivre une thérapie. Carotte, Giraffe. La plupart du temps, on commence par stimuler à nouveau la compréhension du langage. On travaille avec des images, puis on exerce certains mots de manière écrite et orale. On prend par exemple un choix de fruits et il faut reconnaître la banane. On augmente petit à petit le niveau de difficulté en fonction des progrès réalisés par le patient, jusqu'à ce qu'il comprenne une phrase complexe ou un texte entier. Le quotidien de Walter Fischer a totalement changé. En ce moment, à la maison, on prépare une sortie au restaurant. Sa femme, Susie Fischer, consulte déjà le menu à la maison. Elle lui explique certains mots. Il ne savait plus, par exemple, ce que c'était une salade ou une soupe, quel genre de soupe il aimait. Il savait qu'il appréciait la doucette, mais lorsqu'il lisait le mot « doucette » sur une carte, ça sonnait très exotique, il ne reconnaissait plus ce terme. Pourquoi nous avons identifié ces mots, nous lui avons dessiné la salade de doucette, ce qui lui a permis de la reconnaître et de savoir qu'il aimait ça. Nous avons pu ensuite passer la commande. Il est important de commencer la thérapie suffisamment tôt et de manière intensive. Dans ce long processus, la motivation du patient joue un rôle important. Dans l'environnement également, l'encouragement et le soutien de la famille et des proches sont essentiels durant la réhabilitation. Susie Fischer est présente au quotidien. Elle est un soutien très important depuis le début de sa maladie. Notre fils a également réalisé un abécédaire avec des images. Il a tout réappris de A à Z. Ça s'est très bien passé. Il est de nature combative. Il a beaucoup travaillé, il a fait preuve d'énormément de volonté et n'a jamais baissé les bras. Et afin qu'il reconnaisse la famille, nous lui avons préparé ce document avec des photos sous lesquelles j'ai indiqué de qui il s'agissait, ma maman, nos deux fils avec leurs copines.
Il a également travaillé avec ce petit livre, sans mots, uniquement des images avec des situations de la vie de tous les jours. Nous avons utilisé ce livre aussi avec des objets du quotidien et il a fallu réapprendre les heures. Nous y avons travaillé de manière intensive, sa thérapeute aussi. Il y a également ce livre avec les verbes dans lequel il s'est beaucoup entraîné. Puis est arrivé un moment très important. Après une année, il a pu à nouveau conduire. Il a été contrôlé par des experts, puis il a repris toute la théorie du code de la route. C'était très important pour lui de retrouver son indépendance. Und das war ein wichtiger Punkt gewesen, für ihn, seine Selbstständigkeit wieder zu kriegen. Und das hat man, glaube ich, auch gemerkt. Es hat einen Ruck gegeben im Ganzen. Hier haben wir Milena, das ist Frau Moser. Walter Fischer apprend très vite. À la maison, il résout de nombreux mots croisés. Il lit également son journal quotidien et écrit beaucoup. Sonntag oder Samstag, Sonntag habe ich tagelang geschrieben, vorher nicht so viel geschrieben. J'ai passé des samedis et des dimanches à écrire et encore écrire. Naturellement, je ne suis pas capable de tout écrire comme avant. Je ne peux plus écrire aussi bien, mais je le fais et j'ai du plaisir. C'est important. Und was schreibt ihr denn? So Erlebnisse, oder? Ja, meistens Sachen, die ich gelesen habe in einer Zeitung. Oui, j'écris des choses que je vois dans les journaux ou certaines pensées. Je crois que ce qui est important, c'est de continuer d'écrire. Parfois, je trouve des erreurs quand je me relis. Alors, je corrige et je refais. Je continue d'apprendre. Henry? Il a toujours été très motivé, il a fait preuve d'une volonté extrême. Parfois, nous devions presque le freiner afin qu'il observe des phases de repos. Bien sûr, il y a également des périodes de frustration lorsqu'une régression se produit ou lorsque le travail stagne. Puis ça repart, il est à nouveau satisfait. Il faut vivre au jour le jour. Nous avons déjà fait une grande avancée. Le centre hospitalier de Bienne suit des patients atteints d'aphasie depuis 1979, également de manière ambulatoire, comme pour Walter Fischer. Walter Fischer a énormément perdu à cause de son attaque cérébrale, mais il dit également avoir beaucoup gagné. Am Anfang bin ich unwichtig gsi, ich habe Unfreude gehabt, ich habe manchmal schlechte der ganzen Sache gehabt. Au début, j'ai vécu vraiment des moments difficiles, des moments d'insatisfaction. J'étais capable de faire tellement de choses. Je ne pouvais plus calculer, je ne pouvais plus parler, je ne pouvais plus écrire. J'ai découvert des sujets que j'appréciais déjà dans le passé, mais pas autant, en lien avec la nature par exemple, les animaux, la musique aussi. C'est beau de se souvenir de nouvelles passions à plus de 65 ans. Mit Musik, mit so Sachen, wo ich alles hatte, aber jetzt habe ich es viel, viel länger dran, da kann ich in den Wald und so weiter. Und das ist natürlich auch schön. Das ist im Laden, ich bin über 65 Jahre, also das ist natürlich plötzlich andere Sachen da, neuere Sachen, sehr gut. En Suisse, environ 3000 cas d'aphasie sont découverts par année. Au centre hospitalier de Bienne, 70 patients ont été traités l'année passée. Ja. Das, was man zuvorderst hat. Das ist ein St. Genau. St. St. Stoß. Stoß. Scheine, nicht Stoß. Ja, Stoß. Die immer so schön Metall genau. Gewesen, hat man sie so gesehen. Genau, oder Chrom ist es gesehen. Genau, ein Stoß. Stoßchrom. Stange. Stange, genau, ja.